Match de rugby. Et le petit qui passe la défense. Et le petit qui va marquer l'essai. Et le petit qui court. Il va le mettre. De la Team Shape, j'espère que vous allez bien. C'est Team Shape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens, nous sommes en direct du temple avec Juju qui est juste derrière. Elle va faire sa séance de sport pendant que je vais filmer la vidéo. Donc si vous voyez un petit truc qui bouge au fond, c'est normal. Mais avant de commencer la vidéo les gens, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, le bouton est juste là, allez-y, cliquez, c'est gratuit, c'est offert par la maison. Et pensez aussi à activer la petite cloche énorme et sèche juste là. Comme ça, vous serez au courant en premier de mes prochaines vidéos. Et ça c'est cool. Il y a quelques jours, je me baladais sur YouTube quand soudain je suis tombé sur une compilation de vidéos sport. Et je me dis, celle-là, il faut que je la regarde avec vous. Comme vous le savez, le sport est vecteur de valeur. Comme le respect, la motivation, le dépassement de soi et plein d'autres choses. Mais il arrive quelquefois que le sport soit vecteur de moments plutôt embarrassants et gênants. Et heureusement pour nous, ces moments ont souvent été filmés. Nous allons donc regarder toutes ces vidéos drôles et pleines de fails ensemble. Vous êtes prêts? C'est parti! Mon ordinateur est juste là. Coucou! Coucou! Oh, t'as mis ton petit micro là? Oh. Oui. Oh, t'es poilu. Mmh. Allez! À la toute! Y'en a une qui doit s'entraîner, mais d'abord elle est pisse! T'as bavé sur la caméra? Waouh! J'avais vu cette vidéo là. En fait, c'est Usain Bolt qui a fini sa course. Tout se passe bien. Et là, il y a un caméraman qui vient à côté pour le filmer. Il est sur un Segway. Il perd le contrôle et il fauche les jambes d'Usain Bolt. Vous vous rendez compte la pression du mec? Usain Bolt, il a pas dû comprendre ce qui se passait. Le caméraman qui filmait, il a dû se faire engueuler, mais j'imagine même pas. Heureusement, Usain Bolt n'a pas été blessé. Mais waouh, si ça avait été le cas. Je trouve ça génial de voir une image comme ça. On s'en fout du poids qu'il fait. Ce qu'on regarde et ce qu'on retient, c'est qu'il donne là son maximum. Il a dû avoir beaucoup de courage pour se présenter à une course comme ça. Il a couru aussi vite qu'il a pu et il a représenté son pays. Et ça, c'est admirable et c'est beau. Pouce bleu pour ce coureur. Case of diarrhea caught this athlete by surprise. Aïe. Ah ouais. Alors la Team Shape, je ne saurais pas l'expliquer scientifiquement de pourquoi cette personne en courant s'est fait dessus. Mais ce qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est qu'au moins... lui, il s'est donné à fond. Comme c'est un sport de longue distance, ça doit être un mélange entre l'effort qu'il a dû faire et les ravitaux, c'est-à-dire ce qu'il a mangé pendant l'effort. Ça a pas dû faire un super mélange au niveau du ventre. Prochaine vidéo. But as it gets into the open... Merde. Je peux pas lui en vouloir les gens. La dernière fois que j'ai fait du basket, j'ai fait exactement pareil. Celebrating a made basket, Boozer act... Oh. Oh. Je pense que la personne était tellement contente de célébrer le panier, il a dû faire un truc en mode yes. Sauf qu'il y avait l'arbitre à côté. Ah oui, effectivement, en plus il a pas touché n'importe où. Ouch. Gillian Cook burst open before... Ah ouais. Ah c'est chaud. Ce sport là, ça s'appelle le bobsleigh. Bobsleigh. J'espère que je prononce bien. Et dans ce sport, au moment du départ, il faut pousser la luge très vite, puis monter dedans et ensuite faire un parcours qui va super vite. C'est vraiment un sport super impressionnant. Et là, je pense que la personne a dû pousser un petit peu trop vite. Mais on lui en veut pas. Au moins, il s'est donné à fond. Prochaine vidéo. Je suis sûr que là, si l'adversaire il avait pas baissé le short, le but il y était. Après, est-ce que c'est réglo? Ah, je sais pas. Je connais pas bien le règlement de foot, alors dites-le moi en commentaire. Mais non. Oh, il a dû être dégoûté. Oh, il a dû avoir une ambiance dégueulasse dans l'équipe après. Ce genre d'incident, ça arrive, mais il a dû être dégoûté. Et je pense que l'équipe tout entière aussi. Il a dû avoir une sale ambiance dans les vestiaires après le match. The stomach. Oh non. Oh non, il a dû être dégoûté. Oh non, horrible. Il était à ça de l'arrivée, il s'est fait dépasser. Le mec, il aurait dû arriver premier, il a fini quatrième quoi. Et là... ouf. Wow. Les mecs, ils sont mis KO en même temps. Oh putain, le nez. Oh. J'ai vraiment beaucoup de respect pour tous les sports de combat et d'autant plus pour les sports genre MMA. Ceux qui se battent dans l'octogone, comme devait le faire Karis et Booba. Je pense que c'est l'un des sports les plus durs au monde. Vous savez les gens dans la vie, c'est important d'avoir confiance en soi. Mais il ne faut pas trop non plus l'avoir la confiance. Sinon il peut se passer exactement ce qu'on voit avec le goal. Il croyait pouvoir l'arrêter avec le pied, mais non. Comme le dit le très célèbre proverbe, il ne faut pas manger la peau de l'ours. Non, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ce qui veut dire qu'il ne faut jamais célébrer une victoire avant d'avoir gagné. Waouh, waouh, c'est chaud. Comme vous le savez, dans les sports automobiles et notamment sur les circuits, les voitures elles doivent rentrer au stand pour faire le plein d'essence ou pour changer les roues par exemple. C'est entre 3 et 6 secondes, un truc comme ça, c'est monstrueux, les mecs ils vont trop vite. Et là la voiture était tellement pressée d'aller vite qu'elle est allée un petit peu trop vite. La voiture a défoncé tous les mecs de l'écurie qui se tenaient prêts. Heureusement, il n'y a pas l'air d'avoir de blessés. Et là où tu vois que ce sont des pros, c'est que les mecs ils se sont fait renverser par une voiture, ils ont pris la gamelle de leur vie et pourtant ils se relèvent pour continuer leur job. Eux, ils doivent aimer leur travail.
Et devant nous, on a un goal qui voulait juste aller boire. Du coup, il a tourné le dos au match. Et les adversaires en ont profité pour marquer un but. Le goal a tellement été surpris, il s'est mis en position défense dans les cages, mais derrière la ligne. Il a pas le temps. Je crois que c'est trompé de sport, le gars. Vous avez déjà dû voir ce sport aux Jeux Olympiques. Ça s'appelle du 100 mètres haie. Sur le papier, le but est simple. Courir, voir une haie, la franchir, courir, sauter la haie, hop, courir, sauter la haie, courir, sauter la haie. Sauf que apparemment, lui, il est allé tout droit. Après, il a raison, hein. Quelque part, ça va plus vite. Mais je doute que les juges soient du même avis. Mais non. C'est ouf. Là encore, on a eu un goal qui était trop fier. Il avait fait un magnifique arrêt, mais ça n'a pas suffi. Avec l'effet, le ballon a tourné et hop, il est rentré dans les cages. Et le goal, il a rien compris. Il se balade comme ça en mode, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, je pense que le joueur, il peut être content là. Là, ça doit piquer, là, ça doit faire mal. Au tennis, le port de la coquille devrait être obligatoire. Il a dû ramasser. Parce que les mecs qui jouent au tennis, ils se renvoient des balles à 100 km/h. Et une balle de tennis projetée à 100 km/h sur quelqu'un, ça lui fait un trou de balle. Un nouveau trou de balle, littéralement. Une pensée pour tous les mecs qui vont voir la vidéo et qui savent la douleur que c'est. And that is what happens if you do not choose the right bowling ball. Oh non, elle a dû être dégoûtée. Le biathlon, c'est un mélange de ski de fond et de tir. Sauf que dans le tir, il faut être allongé. Et en l'occurrence, cette athlète, elle a tout fait debout. Du coup, elle a eu aucun point. Je sais pas ce qu'a donné le reste de la compétition, mais ça a pas dû l'avantager beaucoup. Ah, un petit peu de hockey. Oh non. Il y avait personne dans les buts. Après, je suis pas meilleur que lui, loin de là. Donc ça se trouve, je l'aurais même pas mis non plus. Pour avoir testé il y a pas très longtemps, le hockey c'est vraiment dur aussi. But the fighters were too carried away by the fight and ignored him and continued to fight. Mais non. Mais non. Mais non, c'est pas possible. Oh, il est au taquet le juge. Oh. Donc là, je connais pas ce sport de combat. Et en fait, le juge, il est là pour séparer les adversaires au cas où ça dérape trop. Et en l'occurrence, ça a un petit peu dérapé. Les deux combattants étaient un peu trop chauds. Le juge s'est interposé au milieu pour les séparer. Sauf que les combattants, ils se sont dit rien à foutre. Et là, le juge, il s'est interposé de manière un peu violente. Il les a séparés, mais genre bien séparés. Le pire, c'est les caméramans qui filment le combat autour et qui continuent de filmer même quand il y a l'embrouille. Là, ils ont dû se dire, oh putain, il y a un buzz. Là, il y a un gros buzz à filmer. Vite, continue, filme, filme, filme. C'est chaud, ils ont été à 4 pour le maîtriser. Oh là là, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle fait, mais... La meuf, elle avait une seule mission. Tirer la ficelle de la ligne d'arrivée avec sa copine. C'est tout. Et même ça, ils ont pas réussi à le faire. Du coup, bien sûr, il y a tout le monde qui lui est rentré dedans. On poursuit. The judge raises the hand of the wrong fighter. Le malaise. L'arbitre, il s'est trompé de main pour élire la gagnante. Prochaine vidéo. Trop mignon. Elle est trop contente. Elle devait être refaite la mamie. Oh non. Ouf, il a eu chaud. Le gardien a eu très chaud. Il est trop énorme et sec, il n'arrive pas à rentrer sur le ring. Ou trop bourré tout simplement. Donc là on a un joueur blessé. Ils le mettent sur la civière. Oh non. Oh putain. Le joueur a 6 milliards d'euros quoi. Ah, je l'ai vu cette vidéo. Et là regardez les gens, vous êtes prêts? Énorme. L'agent de sécurité qui s'ambiance. Incroyable. Il est trop chaud, il est au taquet. Et après, hop, ni vu ni connu. Incroyable. Donc là, on a du hockey sur glace. Il porte la coupe et là, qu'est-ce qui va se passer? Oh putain. Oh, il a échappé la coupe. Il a tout cassé. Oh la gueule qui tire quoi. Football sous la neige. Ça finit en bataille des boules de neige quoi. C'est du taekwondo ça je crois. Aïe. Oh là là, c'est l'arbitre qui a pris cher. Oh là. Une moto, ça rappelle les souvenirs. La moto roule toute seule. Genre, c'est possible? Il y a personne qui ose l'arrêter. Football américain. Ouch! Dans la tête de l'arbitre. Ah, il a dû morfler. Donc là, c'était un match de tennis. C'est Rafael Nadal qui jouait. Je crois qu'il a eu le coup de foudre pour la petite à côté. On voit les échanges de regards. C'est un petit coquin, Rafael Nadal, en fait. Donc là, on a un match de foot classique. Et je m'y connais pas trop en foot. Mais là, je pense qu'il lui a mis cher au joueur. Oh là là! On appelle ça des fans de passe, non? Vous imaginez les gens, vous faites un match de basket. Tout se joue à la dernière seconde. Vous faites un dernier lancer. Et là, panier. En plus, il a calmé tout le monde avec le petit geste. Oh là 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 là, magnifique! Genre il se barrait finalement, il met le but. Magnifique! Très très bien joué. Oh non, il a dû être dégoûté le mec de l'équipe, il a raté son panier. En même temps celui-là il était beau quand même. Et quelquefois les sportifs prennent des risques pour notre seul plaisir. Ok, un peu de football américain. Oh là là, ce saut! Oh, ce jump! C'est pas vrai! En même temps les joueurs de football américain c'est des athlètes de malade mental. Donc là c'est Neymar qui a la balle.
Contrôle du dos. Ça, c'est grâce au dos tortant que ça. Waouh. Donc là, petit match de tennis qui s'annonce classique et normal. Et là, on a Djokovic qui se vénère. Oh, il a défoncé la raquette. Oh là là. Ah, il était pas content. Hein. Bon, après, il est content. Et c'est l'autre qui est pas content, finalement. Attention, un peu de sprint. Le 100 mètres homme. Là, on voit Usain Bolt au milieu. Oh là là. Record du monde du 100 mètres. 9,58. C'est quand même une grosse machine de guerre. Je me demande si quelqu'un arrivera à le battre un jour, tiens. Et tant que j'y pense, dites-moi dans les commentaires quel est votre athlète préféré. Non. Le mec qui a attrapé la balle, il est trop fort. Là, on a un strongman. Incroyable. Là, c'est vraiment puissant. Oh, c'est impressionnant. Je sais pas combien il y a en kilos. 523 kilos. Là, on voit que la sécurité, elle vire un mec. Et t'as Cristiano qui fait une selfie avec le gars. Incroyable. Ouch. Accident de Formule 1. Ah, oh, c'est ouf. C'est ouf ce qu'il a fait parce que c'est dangereux en plus. Aller aider un coéquipier comme ça. Le monde irait mieux si tout le monde s'aimait et se respectait. Il a perdu son protège-dents. La tête qu'il a fait. Là, on a un joueur de basket qui s'est trompé de sens. Il allait marquer de l'autre côté. Et t'as LeBron James, il était pas content. Hein. Il a fait la gueule. Match de rugby. Et le petit qui passe la défense. Et le petit qui va marquer l'essai. Et le petit qui court. Il va le mettre. Il a réussi à aplatir, c'est magnifique. Au-delà de la compétition, le vrai message du sport, c'est de s'amuser. Là, on se rend compte que Maria Sharapova, elle s'est bien visée. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais au-delà des fails, ce qui est beau avec le sport, c'est tous les moments de respect. Là, on voit Cristiano avec des enfants avant un match. Là, on voit une fille qui aide sa copine à courir. Il n'y a rien de plus beau que les gens que l'humilité. Il a dû être refait, le gosse. Il est tellement content, il a la crosse de hockey, quoi. Il est refait. Ah ouais, j'avais vu cette image. C'est Djokovic qui fait asseoir le gosse à côté de lui. Non, il est trop fan, le gosse. Trop beau. Le joueur de hockey qui lance le palais derrière la vitre. Elle est refaite, la fille. Tennis paralympique avec Djokovic. Énorme. C'est trop stylé. C'est ça, le sport aussi. C'est des belles images. Magnifique. Je n'ai rien de plus à ajouter, si ce n'est que dire le mot respect. Ce qu'on retient de tout ça, les gens, c'est que le sport, ça fédère plein de monde. Quand on regarde du sport, on passe par plein d'émotions. Du rire, de la surprise et parfois même des larmes. C'est pour cela que je vous motive à en faire, pour que vous aussi, vous puissiez vous dépasser. Sur ce, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste là. Regardez ma dernière vidéo en cliquant ici. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs.